2, 3, jambes arrière. Oui, je m'appelle Laetitia Moncé, j'ai 38 ans actuellement. Je pratique la boxe depuis maintenant 4 ans. Suite à ça, j'ai monté mon association Montpellier Boxing Paillade, où j'interviens avec les enfants et particulièrement aussi avec les femmes, où j'ai monté un créneau rien que pour elles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, allez, vas-y, t'y es. Enfin, change pas de garde, voilà, reste comme ça. 1, 2, 3, 4, 5, 2, 3. Au début, ça n'a pas été évident, puisque on dit toujours que ça va être dur de faire des compétitions. Il y a très peu de femmes en compétition comparé aux hommes. Je pense qu'on est déjà assez robuste, notre mental est peut-être même plus fort que les hommes. Donc dès l'instant où on décide de se mettre dans ce milieu-là, on sait ce qui nous attend derrière. Je vais faire deux crochets. Crochet, esquive, crochet. Ce créneau est réservé uniquement qu'aux femmes pour se permettre de se libérer, de se dépasser, de croire en elles et de leur montrer qu'elles sont capables elles aussi de faire ce sport qui peut être masculin. C'est pas grave. 1, 2, oui. 1, 2. On a tenu le sport, nous aussi. Allez, viens, ma belle. On tout de suite. 1, 2, 3. Comme ça. 1, 2. Et la jambe, c'est bien, la jambe qui la repose. 1, 2, 3. C'est pas mal, toi, là-bas, je te vois. Pour moi, personnellement, c'est qu'on est tous égaux, que ce soit homme ou femme. Malheureusement, il y a des clichés qui ont été instaurés dans notre société où la femme n'a pas sa place dans certains sports ou dans certains travails. Alors que c'est totalement faux. La femme est autant capable que l'homme, si ce n'est plus, parce qu'elle porte déjà... C'est elle qui porte la famille, c'est elle qui porte tout ça. Je pense que ce cliché est instauré depuis des années, hein, où on a dit que la femme devait rester notamment à la maison pour s'occuper des enfants et l'homme au travail. Et comment dire, avec les années, ça a continué comme ça et ça a été très dur de casser ce cliché-là. La femme est autant capable, peut travailler, l'homme peut rester à la maison, s'occuper des enfants et c'est à nous, au système, de changer ce cliché-là. Allez, on check. Et allez, on essaie de toucher les épaules du copain ou de la copine. Aujourd'hui. Dans la vie de tous les jours, on est obligé de se surpasser, on est obligé de faire plus pour montrer qu'on est capable. Si la femme a décidé, si c'est sa passion et que ça lui plaît, si elle a décidé d'en faire son métier ou son sport, bien sûr qu'elle peut y arriver. Ce qui est dommage encore à l'heure actuelle, c'est qu'il faut qu'elle travaille plus ou qu'elle se démène encore un petit peu plus pour arriver au même stade que les hommes. Un petit message à faire passer, arrêtez de sous-estimer les femmes. Les femmes sont autant capables que les hommes, si ce n'est plus. Check, tac, et c'est parti. Et elle vient essayer de toucher mes épaules. Ah, elle m'a eu. Ah, loupé. Ah, elle m'a eu.